Ok, le coca, c'est bon. La bière au frigo. Le gin et le martini. On a les clés. Quoi ? Aïka, le gardien prend sa pause. Nous, on sera dans la salle d'en face. Une fois qu'il sera devant la machine à café, je rentre, toi, tu fais le guet et je ressors avec les sujets ni vu ni connu. Tu crois que j'aurai assez de boisson ? Lampe torche, ok. Cagoule, ok. Il manque quoi, là ? Les verres. Mais tu te fous de ma gueule ou quoi ? T'as rien écouté de ce que je viens de dire ? Si. Aïka, le gardien prend sa pause. Nous, on y va, on vole les sujets. Et vodka, on fait la fête. Ouais. Mmh. Je te préviens, t'as pas intérêt à te faire merder. Mais non, c'est bon, j'ai compris. Ouais, on y va. J'aurais pas fait du punch. Oui, allô? Ouais, Jess. Ouais, c'est Alex, ça va? Oui, mais qu'est-ce que tu me veux, là? C'est pour savoir, t'as réussi à voir les sujets? C'est bon? Bah justement, j'y vais, je suis pressée, donc je te laisse. Mais tu vas voir, c'est très simple. Tu vois le bureau directeur, le bureau? T'as la commode juste à droite. Bah c'est le deuxième tiroir, tu vois, c'est très simple. Attends. Mais comment tu sais ça, toi? Eh non, du coup, ils y sont plus. Mais qu'est-ce que tu me racontes? À moins que je fasse une photocopie et après je les remette à leur endroit. Alex, arrête tes conneries, t'es où là? Bon Jess, tu m'as l'air un peu pressé, je vais te laisser. Allez, bisous Jess. Bisous. Alex! Mais merde! Qu'est-ce qu'il y a? C'est l'enfoiré d'Alex qui a les sujets! Calme-toi, c'est pas grave. Pas grave? Mais que je t'explique, cocotte? Pas de sujet, pas de diplôme! Ben on a qu'à aller chez lui, ce sera encore plus facile. Non. Tu sais quoi? Organise ta soirée, moi j'y vais. Qu'est-ce que la cytogénèse? Alors, elle a lieu dans le foie en période de jeûne. Le cycle de Krebs ne tourne plus à cause de la néoglucogénèse. Et l'acétylcoenzyme A est transformé en corps cétonique expédié dans le sang. Ouais. À quoi reconnaît-on une mort par empoisonnement? Je sais pas, c'est pas dans le programme. On va peut-être se mettre à réviser pour demain. Dilatation des pupilles, assèchement de la peau et des lèvres, contraction de l'estomac. J'ai lu beaucoup de choses là-dessus. Ok. Au fait, je t'ai pas dit. J'ai grillé des messages de Johanna dans le portable d'Alex. C'est pas trop une salope? Je te jure, je la déteste. Y'a qu'à la tuer? Ouais, bien sûr. Il faut juste de la trixine. Facile à trouver. Surtout pour toi, non? Comment ça? Tu travailles au labo. Y'a tout ce qu'il faut là-bas. Enfin, faut avoir un code pour avoir accès au produit. 46B12. T'as fouillé dans mon agenda? T'es complètement cinglé. Je pensais que je pouvais te faire confiance, moi. C'est pour ton bien que j'ai fait ça. Mais je vais me faire virer. Imagine si Johanna n'en revenait jamais. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je suis allé au labo. J'ai pris la trixine. Mais t'es complètement taré. Qu'est-ce que t'as en ce moment? T'es bizarre, t'es là, tu... Mais elle te faisait vraiment chier. Lâche-moi! Tu me fais peur, je veux plus te voir! Alors? Ah bah c'est bon? Non. Bah si! Oh putain! Il a les sujets! Ça te fera 1000 euros. Quoi? 1000 euros. Tu passes en quatrième année, tu seras enfin médecin. Comme papa. Ah, t'auras ton petit cabinet avec ta petite secrétaire. Attends, c'est une blague? C'était mon idée, ça. Ah oui, non, c'était ton idée de coucher avec la fille du recteur. Ah, tout ça pour des sujets d'examen. Non, ça va, t'étais pas obligé de te la sauter. Non, non, mais ça m'a fait plaisir. Bon, c'est 1000 euros, tu seras jamais médecin. Où est-ce que tu veux que je trouve 1000 euros? Où est-ce que je veux que tu trouves 1000 euros? Mais je... Bon, je crois qu'on voulait être médecin ici. Je vais te laisser. Demain examen, révise bien. Allez, bonne soirée. Attends. Ah, finalement on a changé d'avis. Je dis pas que tu l'aurais pas eu parce que t'es un bon élève, mais en révisant bien, je pense que...
Qu'est-ce que tu fais là? J'avais envie de te voir. T'étais où pendant 3 semaines? Ça se passe, tes révisions? Bah non, j'ai encore 150 pages à lire en pharma, j'ai toujours pas fiché la trauma, enfin... Et toi? Je suppose que t'étais en train de réviser tes cas pratiques d'anatomie féminine? Arrête. Charlotte? Sérieusement, tu te vois médecin? Pourquoi tu me parles de ça? Mais regarde-toi, tu profites de rien. Tu travailles pour tes études, tu vas travailler pour ton cabinet, tu travailles. Toi, tu t'es regardé, tu crois que s'en foutant rien, tu vas réussir? Mais je te parle pas de réussir, je te parle de vivre. Oh, tout de suite les grandes phrases. Je me suis fait virer. C'est une blague? Je vais quitter Paris. Bah, je sais pas, tu peux pas faire appel? Je pars demain. Tu me fais quoi là? Il y a un billet pour toi si tu veux. Putain. Si ça tombe sur le système neuronal, je suis foutu. Il suffit d'imaginer les synapses comme des portes. Ouais, j'ai marqué ça sur ma copie, ils vont être contents. Qu'est-ce que vous pouvez vous prendre la tête, les garçons? Heureusement, c'est fini tout ça pour moi. Est-ce que tu vois ce que je vois? Non, pas du tout. Pourquoi toi, tu vois quoi? Moi, je crois que j'ai bu trop de caféine, faudrait que j'aille dormir. N'importe quoi. Non, tu n'hallucines pas. Oui, vous me voyez tous les deux, et oui, je suis bien morte. Peut-on passer la phase préliminaire d'incompréhension et sauter directement à la discussion normale entre gens civilisés? Oui. Merci. On est désolé, on s'excuse. Salut, tu vas bien? Enfin, tu vois ce que je veux dire. Laisse-moi faire. Esprit de l'au-delà, ô toi spectre, qui a traversé le Styx et le Tartare pour revenir dans la lumière de la vie. Parle, nous t'écoutons. Nous humbles enveloppes charnelles faites de chair et de sang. C'est navrant. Bah quoi? Oh, mais tu vois pas que t'es ridicule? C'est peut-être le tout premier contact avec un véritable fantôme et toi tu te la joues tragédie grecque. Justement, faut y mettre les formes. C'est un événement historique, cosmique même. Faut du panache. Non, mais vous embêtez pas pour moi, j'ai tout mon temps. Mais c'est pas Jeanne d'Arc qui descend de son bûcher, putain. C'est Johanna. On l'a déjà vu dégueuler dans le corsage de Clara. De qui? Oui, bon bah ça va, j'étais bourrée. Je devais pas être là, l'autre connasse. Johanna, c'est vraiment toi? Non, c'est la reine d'Angleterre, tu vois pas la couronne? Promis, j'irai à ton enterrement. Mais on s'en fout! Mais c'est monstrueux. Ah, tu vas le fermer, oui. Non, mais si vous voulez, je peux en passer plus tard. Hein. C'est pas comme si je venais loin. Non, mais t'envole pas! Tu vois ce que... Parce qu'à la base, je venais quand même pour vous dire un truc. Parle! Ah, Méran! Méran, ta gueule! Mais vous pourriez vous intéresser un minimum à ce qui m'est arrivé. Je suis assassinée quand même. Incroyable. Ravi que ça te plaise. Et par qui? Par qui? Par votre pote, Maxime. C'est pas le moment. Chut. Ok, vas-y, Bozo. Tu vois, ça marche, lui? Ouais, ça marche, ouais. C'est comme ça que je vais aller voir Julie. Sérieusement? Bah ouais. Attends, je vais être autour. Je sais pas quoi dire. Attends, j'ai notre tour. Sincèrement, je pense pas que ce soit ça qui plaise aux filles. Qu'est-ce que tu connais la séduction? T'es célibataire? Attends,
est bien d'accord, c'est toi qui te fais passer pour le tueur. Ouais, voilà. Je suis pas sûr que ce soit une grande idée. Mais si, t'inquiète. Salut les gars. Salut. Salut. Qu'est-ce que vous faites là? On a quelque chose à te dire. Ok, bah rentrez. Vous voulez voir quelque chose? Je tuerai pour un verre. Bah alors, c'est quoi le problème? Bah dis-le, dis ce que t'as fait. J'ai buté Johanna. Ah ouais? Ouais. Et t'as fait comment? Je l'ai découpé en morceaux, cette salope. Et t'en as fait quoi du corps? Il l'a jeté dans la Seine. Ah bon? Il y a beaucoup plus simple pourtant. Ah ouais? Et quoi, monsieur, je tue mieux les gens que tout le monde? La trixine. Un color. Tu vois pas toi? Je peux prendre un verre d'eau? Oui, vas-y, bien sûr, sors-toi. Tu pourrais m'expliquer comment on sépare l'estomac de l'intestin grêle pendant la dissection? Tu fais une incision du premier segment, tu fais une coupe diamétrale de la poche acidique de manière à laisser apparaître le duodénum. Tu pourrais me filer tes notes? Oui. Tiens, voilà le suivi de la dissection du porc et le schéma de la coupe transversale. Ça a dû te plaire, non? Oui. T'as jamais frustré qu'on s'arrête à ça? C'est-à-dire? Tu t'es jamais demandé ce que ça pourrait donner avec un peu plus de fantaisie? Non, mais t'es sûr que ça va? Parce que j'ai l'impression que tu me parles de nécrophilie. Non, je te parle de taxidermie. J'ai vu le DVD dans la cuisine. Ah. Rassure-toi, personnellement, ça me fascine. Ah? Tu pratiques? Depuis que j'habite Paris, oui. Tu donnes en quoi les fauves, les reptiles, les oiseaux? Non, je commence à peine. Juste 2-3 expériences sur quelques rongeurs, c'est tout. C'est génial. T'as vu le boulot de Chetlinski autour des chinchillas? Ouais, il utilise pas mal de techniques, mais ça reste assez superficiel comme travail. Il y a quand même un jour dans l'animal qui fait qu'on accroche. Bah, à côté de Bradillo, c'est presque du brouillon. Chetlinski a pas rassemblé trop de bêtes ensemble, franchement. Alors que chez Bradillo, on sent une vraie envie de créer quelque chose. T'es pas d'accord? Si, c'est vrai qu'on ressent une certaine volupté. Oh, on sent une vraie maîtrise du geste, sûre et professionnelle. Une vraie voracité. Rien n'est laissé au hasard. Oh putain, c'est dingue comme avec une simple incision biseautée, il arrive parfaitement à insérer les poils avec les plumes. Plume par plume, poil par poil, tu savais qu'il les avait enfoncés un par un. Oui, c'est dingue, la précision, la technique, le doigté. Les crocs plantés dans le dos. Et rien n'est laissé au hasard. Les créatures sont pleines. C'est orgasmique. Oui. Tiens, je te file aussi le plan du couloir. Ok, les symptômes d'un AVC, ça c'est bon. Il me reste la psychiatrie. Mais ah, t'es connu là, bosse un peu. Mais t'inquiète, j'en ai pas besoin. Hein? Yes. Mais tu fous quoi là? Tu vois pas? Je dors. Et t'es au courant que c'est demain l'examen? T'as fait pas de soucis, j'aurai mon examen. Ah ouais, et qu'est-ce qui te fait dire ça? Je sais pas pourquoi d'en parler. Allez, vas-y, raconte. Je suis ton exemple. On peut dire que j'ai une relation libre. Et ouais, avec qui? Désolée, je peux pas le dire. Tu sais quoi? Tu me saoules. Bon, ok. C'est avec le professeur Thomas. Quoi, t'es sérieuse là? T'as mené tu hier? Alors, c'est comment?
plutôt cool. Ah là là. Mais attends. Je viens de comprendre. Tu crois que c'est lui qui corrige nos copies? Bah oui. Ouais, mais tu sais, qui est ton dans sa classe, t'as aucune chance que ce soit lui qui corrige ta copie. Et... Ah là là. Putain! Quelle branlée! Sainte mère de Dieu, j'ai perdu! Vas-y. Vas-y, toi! Oh. Yo! Je ramène des provisions! Carrément! Salut! Salut! Vous en voulez une? Ouais. Ouais, moi. Vous avez révisé pour demain? Ouais, vite fait. Merde, moi non plus. Faut qu'on trouve une parade. Eh, j'ai une idée de ouf. Si on se fait passer pour malade et qu'on passe l'examen en septembre. Bien! Aïe! Ouais. Oh, je sais. J'ai le sida. C'est pourri, ça. Et puis ça t'empêche pas d'aller en cours. Sinon, on dit qu'on a un rhume. Vous êtes trop défoncé ou quoi? Vous avez plus d'âme. Mais je sais. On se maquille et on dit qu'on a la varicelle. Bien. Ouais. On va les baiser, sa mère. On peut pas avoir tous les trois la varicelle. Y'en a qu'un qui peut l'avoir, Proms. Putain de sa race. Je sais, t'as qu'à dire que t'as le syndrome de la Tourette. Bien. Ouais. Bon, je roule un bédo pour fêter ça. Putain, t'as les mains dégueulasses. Oh, on dirait une lépreuse. Oh. Bien. Aïe. Bon, maintenant qu'on a tout trouvé, faut les appeler. Bah vas-y. Bah je peux pas, je roule. Vas-y. Shifumi. Supérieure à 1, elle aurait potentiellement exothermique en réaction spontanée. Oui, et si ma voisine de chambre super sexy toque à ma porte à 14h en pyjama, alors je rêve. Seul un organe missile des déprimés peut synthétiser des protéines mutants. Ok, à part ça, un petit café. Café? Café. Caféine! Neuromédiateur stimulant, forte dans addictive. Ok, un sucre ou deux? Sucre. Sucre! Non scientifique, saccharose, ensemble nucléaire de fructose et glucose. Surchauffe neuronale. Je préconise un grand verre d'eau. Si en état de choc n'accepte pas les soins, préconisez une dose standard de diazépam. Bah au moins les calmes. Allô? Ouais, allô Charlotte, c'est Théo, tu peux descendre, j'ai un problème. Oui, non, c'est pas trop le moment là. Ouais, mais c'est Jeanne qui pète un câble. Écoute, tu te débrouilles, je suis pas assistante sociale, moi. Non, mais elle est complètement camée, là. Je me suis dit, vu que t'étais la meilleure en pharma... Oh, ça va. Oui, j'arrive, c'est bon. Okay, merci, c'est cool. Ils font chier, putain.
Jeanne, ça l'a pris. Bah, rien dans le fond, mais t'es complètement surexcitée, alors je lui ai donné un calmant. Un calmant? Tu te fous de ma gueule? Putain, mais vous avez quoi tous? Par chier, là. Non mais Charlotte, attends, tu crois pas qu'elle est un peu trop calme, là? Quoi, un peu trop calme? Oh merde. Jeanne, qu'est-ce qu'elle a pris? Un spasfon. Tu lui as donné quoi? Mais je peux pas vraiment te le dire, c'est pas tout à fait légal. Moi, conscient. Il est rentré avec ta femme? Ça va, Jeanne? La section d'une artère en fonctionnement nécessite deux pinces à clamper et l'assistance d'un anesthésiste. Qu'est-ce qu'elle raconte là? Bah, ça fait une heure qu'elle est comme ça. Frédéric Reptophane? Ouf, passe-moi ton médico. Allez, t'as ton standard à partir de la tête des genoux. Prévoir un bon garrot. Aseptiser la zone à découper pour une courtelette. Prévoir un geste vif et vigoureux. Trihydrotreptophane. T'en es où dans l'index? Trihydrotreptophane. J'appelle les pompiers. Lâche ce téléphone. Qu'est-ce que tu fous? Tu m'avais pas dit que Julie était ici? Ben si. Ben voilà, c'est pour elle. Ok. Salut. Pardon. Et il se passe quoi, là? Je croyais que... Que quoi? Que ça... Que je... On m'avait dit que les films et l'humour... sur le coup... Voilà, quoi. Je voulais savoir si tu voulais sortir avec moi. Ah, non, 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 raté. Ah bon? Oui, tu croyais? Ouais. Pauvre mec. Écoute, Clo-Clo, retourne au cirque parce que c'est pas avec tes grandes rôles que tu vas planter ce soir, hein. C'est clair, le mec il a rien compris. C'est trop une merde. Moi je voulais savoir si tu voulais sortir avec moi. Mouette, mouette. T'aimes ça, Julie? Bon bah j'y vais. Moi, mais rien. Elle est morte? Tu l'as tuée? Mais non, elle était complètement surexcitée, elle s'est cognée. Tu l'as assommée? Elle s'est fait ça toute seule. Mais t'as pas appelé les secours? Jeanne? Jeanne? Oh, Alizée, je suis désolée,
j'ai complètement perdu ton parapluie. Qu'est-ce qu'elle raconte? Tu l'as drogué? Non, enfin si. Et si on allait manger une glace? Ouais, moi. Tu fais chier, hein. Je te ramène là pour demain. Je n'avais même pas foutu de m'aider là. Je peux même pas te dire ce qu'il y a dans des roxates. Paroxétine 10 mg, magnésium stearate E533, carbidisorbate 80 E433. Comment elle sait ça elle? Non mais elle se shoot à celle de le connaître par cœur. Attends. Qu'est-ce que la polyradiculone verite aiguë? La PRN aiguë est une affection inflammatoire du système nerveux périphérique touchant les racines, les troncs nerveux et les nerfs crâniens. S'exprime cliniquement par un proximo-distal des quatre membres. J'ai trouvé plus dur. Quelle est la définition exacte de 5-hydroxytryptamine? Appelée aussi 5-HT ou plus communément sérotonine, est une monoamine servant de neuromédiateur dans le système nerveux central. Elle joue un double rôle d'hormone et de neurotransmetteur. Qu'est-ce que la maladie de Burton? La maladie de Burton est une maladie... est absorbée par les neurones grâce à un transport membranaire non sélectif. Bon, ça fait une demi-heure qu'elle répond juste là, je crois que c'est bon. Tu lui as donné quoi? Un mélange d'exta et de méthamphétamine. Mais elle était déjà camée en arrivant. Ça doit être à cause du déroxate. Mmh. Du coup, faut prendre les deux. Ouais. Eh bien, c'est parti. T'es pas sérieux? Attention, prends ça, on cartonne tout, allez-y. De toute façon, t'as révisé, toi? Ou alors on pourra en profiter. Je pourrais t'apprendre 2-3 trucs. 3 trucs? On en ferait quoi après? Porte-manteau? Ouais. Ça va? Entre. J'avais envie de te voir. Tu veux voir quelque chose? Non. Tu veux qu'on se mate un film? Non. T'es pas stressée pour demain? Non, ça va, je suis prête. Je suis prête pour plein d'autres choses. Non, sérieux, Mélanie, il faut que je te parle de quelque chose. Ah ouais? Tu veux qu'on parle de quoi? Sérieusement, Mélanie. Mais qu'est-ce qui t'arrive là? Depuis quand on parle sérieusement, toi et moi? Même depuis quand on parle tout court? Bah justement, Mélanie. Mais arrête de m'appeler Mélanie. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Je me suis fait virer. Il y a 3 semaines. Médecine, c'est fini, puis c'est pas plus mal. Quoi? On sauvera pas le monde. Je le sais. Ce que je sais aussi, c'est qu'on a déjà perdu assez de temps. Déjà 3 ans qu'on vit plus. Mais bien sûr qu'on vit. Je sais pas, regarde-nous. Est-ce que t'appelles ça un nous? On boit, on baise, on fait la fête. Et qu'est-ce qu'on construit? Réellement, tous les deux. J'ai bien réfléchi, Mélanie. La personne avec qui je veux être, c'est toi. Mais tu... Je suis sincère. J'ai vraiment envie de construire une nouvelle vie. Je t'aime, Mélanie. Pars avec moi. Et on peut pas. On a l'examen demain et on n'a rien préparé. Fais-moi confiance, on n'a pas besoin de tout ça. C'est juste toi et moi.
Allez, viens. On y va. Qu'est-ce qui se passe? Il a encore trop bu. Alex. Alex, mon cœur. Allez, réveille-toi. Alex. Allez, viens, on va se coucher. Allez. T'as trop bu. J'ai pas bu. Mais oui. Je vais pas m'aider à le porter, s'il te plaît, on va le mettre dans ma chambre. Tiens, mets-lui sa tête, il va se reposer un peu là. Tu manques. Dis-moi, tu connais le médicament Methyménalox Sobitec? Ouais. C'est quoi? Ça agit contre les crampes. Et sur la femme enceinte? Ah bah faut pas l'utiliser. Enfin, entre 0 et 4 mois, c'est super contre-indiqué, mais à partir du 4e mois, tu peux voir avec ton médecin traitant. Enfin, ça dépend de l'évolution de la grossesse. Pourquoi tu me demandes ça? Mais sujet d'examen, arrête. Mais Alex, t'es complètement taré. Lâche-le. Lâche-le. Qu'est-ce qui vous prend? J'ai pas bu, il m'a frappé. Il voulait me vendre les sujets. Quels sujets? Les sujets d'examen pour demain, il voulait que je les vole. Et bon, ça va, moi j'ai pas trompé ma meuf. Eh ben ouais, je t'ai trompé, voilà. Wake up, je t'ai trompé. Johanna, je l'ai baisé. Charlotte, ta meilleure amie, hein, je l'ai baisé. Delphine, je l'ai baisé aussi du coup. J'ai baisé un peu toute la fac, hein. Pardon. Voilà. Allô Max, j'ai besoin de toi. Faut que tu m'aides à me débarrasser d'un corps. Johanna. 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 Oui? Putain! Je suis défoncée. Non. Je dors. Non. T'es vraiment là? Oui. Oh putain. Ça tu l'as déjà dit, chérie. Bon, moi ça va. Vous m'emmerdez tous à la fin. Ok. Voilà. Puis bon, comme c'est comme qui dirait une occasion exceptionnelle, j'aurais aimé que tu diversifies un peu ton vocabulaire. Et que tu dises pas que oh putain. D'accord. Écoute, je sais pas, reviens dans une demi-heure, j'aurais accroché des banderoles. Je te demande pas un peu d'artifice. J'en sais rien, moi. Une émotion. Un sourire. Bah justement, c'est l'émotion, oh putain. Je peux l'exprimer comme je peux, non? Oui. Mais bon, je te rappelle que moi, je viens de là. C'est pas comme si je venais de traverser le couloir. T'aurais pu te préparer à mon arrivée. Ouais. Voilà, pour le coup, c'est plutôt un pot de départ. T'as même pas mis une robe. Une robe, c'est pas compliqué. Tu viendras comment, mes funérailles? En pyjama? Oh, ça va. J'aurais pensé qu'une fois que l'AMC, tu serais légèrement au-dessus de ça. Excuse-moi de vouloir sauver les apparences. Ouais. C'est vrai que pour toi, bronzage, garde-robe, ça passe à la trappe. Tu vas t'en remettre? On a encore des questions cons comme ça, là. Je trouve que je suis plutôt stylée, moi, comme fantôme. Carrément. J'en reste pas moins morte. T'es magnifique. Ouais, n'empêche que tu m'as laissé un sacré bordel sur les bras. Super, ton timing. Excuse-moi de m'être fait assassiner. Bon.
Qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est rien. Des crêpes? Ouais, bonne idée. Oh putain. Mais je peux plus manger en fait. Mais arrête, c'est pas drôle. Je mangerai plus jamais. Je pourrai plus jamais boire un verre de vin. Je serai plus quelqu'un. Je ferai plus jamais l'amour. Je suppose que c'est le moment où je suis censée te dire au revoir. Si j'ai pas envie de te dire au revoir. Désolée, mais je crois que c'est pas vraiment optionnel, ça. T'as quelque chose à me dire? Ah si, voilà. T'as laissé de la vaisselle dans l'évier. Et tes cheveux dans la douche. Ça va me manquer, ça. Et la nuit, tu ronfles. Si tu le prends comme ça. Tu veux faire quoi? Me quitter? Ouais. On peut peut-être partir à trois. Je suis sûr qu'ils étaient là, les billets. Entrez! Vous faites quoi là? On est trois, ça te voit pas? La veille de l'examen. Ça va, on fait ce qu'on veut. Ouais, bah vous êtes chelou, vous. On t'arrête de nous saouler là! Qu'est-ce que tu fais ici? Tu veux venir voir Alex? Et qu'est-ce que tu lui veux, Alex? Bah t'inquiète pas, je peux te le prendre, ton mec. Je veux les sujets. Non, non, attends. Ils sont là. Ah mais non, je me souviens, il les a mis là-dedans. Vas-y, fouille. Mais non, je suis conne. C'est David qui les a. Oui, David, donne-lui. Ses empreintes. T'es complètement cinglé. Salut Jessie, c'est Marianne. C'est pour savoir ce qui s'est passé. On m'a dit que la police avait débarqué chez toi. Je comprends pas. De toute façon, il y a la moitié des gens à examen. C'est bizarre. Bon, bah, rappelle-moi. Ouais, comment ça se fait? Non.
À la fin des examens. Santé. 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 Santé.